Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, si vous me voyez aussi joyeux, presque hilar, c'est que j'ai eu confirmation du fait que le report du Black Friday ne sert à rien, parce que j'ai eu, vous verrez dans les liens, vous verrez, mais la Fnac, le groupe Images Photo me donne raison. Parmi tous les liens que je vais vous donner, il y a une enseigne qui dit explicitement le début de la semaine du Black Friday. Or, si j'en crois les propos du ministère, le Black Friday était reporté d'une semaine. Sauf qu'il y a des gens qui ont déjà préparé leur publicité et leurs tracts, etc., et qui ne peuvent pas reporter. Les tracts ont été distribués, on ne peut pas récupérer tous les tracts, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a une enseigne qui continue à dire que le Black Friday, c'est cette semaine. Bon, c'est pas grave, hein. Je veux dire que moi je l'avais prédit. Ce qui m'a conforté aussi également, c'est que un journaliste a dit que c'était, il n'a pas dit ça comme ça, hein, mais il a dit que c'était de la pure connerie que de reporter le Black Friday. Eh oui, forcément, parce que ça ne servirait à rien, la preuve. Alors, je prends la liste est courte, hein, la liste est courte, rassurez-vous. Ceci dit, ça s'intensifie, donc je ne sais pas si je ferai des bons plans du web très régulièrement. J'ai pas envie de vous saouler non plus, puis ça, bon, j'allais dire qu'à la limite, redire un petit peu les mêmes choses, ça me saoule. Mais enfin bon, ceci dit, je vous donne quand même les bons plans de la semaine, hein, voilà. Ce ne sera pas le mercredi, mais ce sera aujourd'hui, lundi, en même temps que les stats, qui seront dans une autre vidéo. Alors, la Fnac, qui les gens de la Fnac, le marketing, bien préparé Noël, ouais, un mois avant, puisque nous sommes le 23 novembre, et donc nous sommes pas, enfin nous sommes au-delà même du mois d'avance, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il y a la Fnac qui dit préparer les fêtes de Noël, ouais, bien sûr, on n'est pas en décembre, hein, et on commence déjà à préparer les fêtes de Noël, bien sûr. Alors il y a Images Photo, il y a Showroom, il y a Macway, Kobo. Vous savez, pour la lecture, là, c'est sympa. Il y a des petites choses sympathiques, apparemment. Il y a Geekbuying. C'est un site chinois. Alors, attention aux sites chinois. Hein, ça peut être intéressant, mais bon, il peut y avoir des petites choses, des imitations. Hein. Il y a Webcartouche. Alors, par contre, ça, c'est pas une imitation. Hein, Webcartouche, je vous recevrai bel et bien les cartouches que vous avez commandées. Microsoft, qui nous fait des annonces sur du matériel, hein, voilà. Et enfin, iGraal. Alors, je ne saurais trop vous conseiller de suivre mon lien d'affiliation pour iGraal et de vous abonner, de même que pour Showroom Privé, parce que je ne peux pas vous envoyer le lien dans la mesure où ça vous renvoie sur ma page à moi. Donc, si vous voulez commander avec ma page à moi pour que je récupère les pépettes, ça ne me dérange absolument pas. Mais enfin, question équité, je préfère que ce soit vous qui empochiez les petites ristournes. Voilà pour le bon plan. J'aime bien quand les faits me donnent raison quant au Black Friday, par exemple, quant à son report. C'est sympa, ça. C'est-à-dire, bon, il n'y a pas que moi qui me dit « Non, mais c'est une pure connerie. » Il doit y en avoir d'autres, mais bon, ils ne peuvent pas trop s'exprimer. Hein. Voilà. Allez, les amis, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. Likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner comme d'habitude. Merci de votre écoute et puis à très vite.